Zami la société, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Chanel Paula. Chanel qui toujours pour tes bon gens nouvelles pour vous, bon gens informations, sans fausse côté, sans vous monter, et bien, gen pile de ce qui fait actualité dans la coupe d'Haïti, nous pour tes pour là, et bien, comité consultatif indépendant, et bien, joigne un nouveau mandat pour 45 jours dans le président de la République, là, Jovenel Moïse. Parlant de comité consultatif là qui. Jeune nouveau mandat, eh bien, secrétaire général MTVA, qui c'est Mouvement pour Transformation et Valorisation Haïti, ça ou les mouvements troisième voie, bien, secrétaire là, fait qu'on est, eh bien, Foc, eh bien, ex-président Boniface Alexandre, lui-même, ensemble avec tout reste membre, eh bien, comité consultatif là, lui-même, remettre démission, yo. Bien, l'autre information a bien pour porter pour UNICEF lui-même sorti un rapport pour le fait qu'on ait qu'il puisse passer 8500 femmes actives qui quittent la caillou dans deux semaines qui sont passées là-haut à cause d'affrontements qui gagnent entre groupes gangs armés dans rentrée sud capitale pays d'Haïti pendant un peu yo même yo pas ka vivre nan pays a, et bien gen l'autre nan ici échapper pour yo pour chercher la vie meilleure nan l'autre pays, et bien yo y a couru pour rivière yo tombé nan la mer, et bien c'est ça qui rivé, et bien pour plus passer 4 femmes ak yon ti moun 14 ans même qui victime viol nan pays Honduras, et bien c'est 4 femmes haïtiennes, bien 4 immigrés qui a essayé courir pour insécurité la vie chaîne la coupe d'Haïti, et puis y a victime viol nan pays Honduras. Et bien c'est toute information ça avec un pile l'autre qu'on a bien porté pour vous, ou même qui pourquoi abonner à la chaîne là n'a pas nous fait ça kounya là comme ça ou pas perdre même yon yota nan série information n'a bien pour porté pour vous. Et bien, je vous annonce ça en titre, un nouveau délai 45 jours accordé à comité consultatif indépendant pour élaborer nouvelle constitution. Nous connaissons un comité consultatif, ça a gagné dans tête li, et bien, ancien président Boniface Alexandre, même, et bien, président de la République, là, Jovenel Moïse, de même, et bien, qui déjà reporté référendum constitutionnel là, et en pile monde pense après report ça, et bien référendum constitutionnel là qui c'est un nan grand chantier président Jovenel Moïse, et bien l'étape tout annulé là, et bien c'est ça en pile monde te pense, mais malheureusement, et bien c'est pas ça que lui-même lié président République là Jovenel Moïse, et bien galère a kembe tête dit pour lui faire référendum constitutionnel ça coûte que coûte, malgré Anthony Blinken lui-même secrétaire d'État États-Unis, lui-même te dit, États-Unis pas un référendum constitutionnel, c'est dans l'élection que vous-même yo yé. Eh bien, Guiland, mes adieux lui-même, qui c'est président d'un conseil électoral provisoire lui-même, il te fait qu'on est bien tout bagaille déjà prêt pour référendum constitutionnel. Mathias Pierre, ministre chargé, eh bien, question électorale lui-même, il te répond à Anthony Blinken, il te dit référendum dans lui-même, c'est peuple haïtien seulement qui peut dire si vous d'accord avec une nouvelle constitution ou pas. Et après tout parler ça, eh bien, président République, Jovenel Moïse, montrer tout bon vrai, il voulait faire référendum constitutionnel là. C'est ça qui fait, il renouvelait, eh bien, mandat, comité consultatif indépendant pour 45 jours encore là. Et nous connaissons le comité, ça a déjà mis avant projet de yo. Yo te dit c'est pour moun ka bay avis pa yo. Eh bien, avis bay, eh bien, on met un deuxième de yo là. Eh bien, pour voir comment yo capable de changer la constitution. Malgré nous connaissons l'opposition lui-même, li campé en face président Jovenel Moïse, li dit li pas nan référendum constitutionnel ensemble avec président Jovenel Moïse, li pa gen aucune qualité pour li ta vin fè référendum constitutionnel nan tête pays. Et nous connaissons sénateur Lambert lui-même te déjà dit département la déjà pas gen référendum la donne moun nan Léogan di ou pas la donne moun nan Nipa Miragouane bien Tigouave di ou pas nan référendum constitutionnel. Et kounya la président lui-même l'a renouvelé, et bien bay un nouveau délai à comité consultatif indépendant ça.
Est-ce que tout bon vrai, ces référendums dans le président a besoin de faire ou bien son façon pour lui montrer qu'il n'y a pas jamais permis et puis il n'y a pas jamais sorti un nouveau calendrier pour référendum. Il y a sorti un calendrier pour l'élection lui-même, il est capable de faire. En tout cas, nous connaissons en pile monde dit ça qu'a passé journée aujourd'hui dans un pays à cause insécurité à ses causes référendum nan, et puis a essayé utiliser toute stratégie pour faire pas fait. C'est ça Clinton lui-même coordonnateur PHTK lui-même il fait connait. Et bien est-ce que c'est ça vrai puisque nous connaissons référendum nan dit c'est lui qui à la base tout ça qu'a passé dans un pays à. En tout cas n'a suivi dossier ça de près puisque 1er août, c'est une date eh bien, qui kembe pour référendum ça lui-même, l'ita fête. Est-ce que la fête, nous ne connaissons pas. Eh bien, secrétaire général MTV Haïti, qui c'est Mouvement pour Transformation et Valorisation Haïti, Semsi Casimir lui-même, lui mandé ex-président Boniface Alexandre qui est en tête du comité consultatif là pour lui remettre démission by président République là Jovenel Moïse. Eh bien c'est si lui-même lui fait connaître eh bien prolongation mandat comité consultatif là lui-même c'est une provocation que lui-même lié pour peuple haïtien ça prouve eh bien gouvernement en place ça pas eh bien, pas prendre en compte, misère, eh bien, tout le monde peut pas ici en la passer lui-même, au lieu de chercher résoudre ça qui peut résoudre, eh bien, ces affaires pâles, la vinaigrée, eh bien, en pile monde dit ça tout, puisque c'est insécurité qui premier gros fléau en tant pays, eh bien, président de la République, là, Jovenel Moïse, même, plus Chita, sous question référendum constitutionnel, li pas dans les affaires insécurité, eh bien, c'est si lui-même lui fait connaître, eh bien, lui mandé président comité consultatif là, Boniface Alexandre, pour lui remettre démission et pour tourner page ici là, parce que c'est référendum ça qui a la cause de toute insécurité qui gagne dans le pays là. En tout cas, MTV nous connaît qui gagne un opposant farouche pour voir en place dans la tête, mais qui c'est Reginald Boulos, eh bien, lui-même, il dit à camper pour goumer. Tout que coûte que coûte pour comment yo capable empêcher référendum ça lui-même li fait dans la coup pays d'Haïti. Eh bien parlant de violence insécurité, eh bien ça qui passé matissant côté gang armé a affronté entre eux là, eh bien UNICEF lui-même li sorti un rapport pour faire connaître gain plus passé 8500 femmes ak ti moun qui obligé quitter kayo pour aller vivre soit dans centre sportif Carrefour ou bien devant porte Kaimoun. Et bien selon rapport ça 2045 femmes plus 2146 timon trouvé dans commune Carrefour, ça veut dire en dans centre Carrefour ensemble avec dans Badelma, et gain plus passé 5110 moun parmi eux 2095 femmes, 2199 timoun, et bien qui en pile moun nan kafou ou recevoir yo la caillou, et tout ça c'est à cause insécurité qui gagne nan troisième circonscription. Et bien en Haïti en pile moun a couri qui te caillou, et parmi moun sa yo gagne qui pas sauvé rien du tout, c'est seulement rad qui sou ko yo sauvé, puisque bandi le ou fin attaque zon yo, et bien en pile caillou yo mette di fe la dan yo. Et en pile monde décidé ouais coûte que coûte comment yo capable courir quitter pays à chercher la vie meilleure, bien soit en République Dominicaine ou bien prendre bateau pour ouais côté yo capable river. Et bien dans courir comme ça gen en pile nan yo qui a échoué. Et bien parmi yo, et bien c'est 14 yon groupe 14 immigrés haïtiens, et bien qui a victime en bas mais on dit rien. Et bien ça a passé jour mercredi 16 juin 2021 là, côté 4 femmes haïtiennes parmi eux, yon timoun 14 ans qui victime viol dans pays Honduras, selon ça qui déclaré chef bureau régional sud direction enfance El Barrier, si même qui fait connaître bien les 4 femmes haïtiennes avec yon timoun qui victime abus sexuel. Et bien situation ça lui même yon déploré en pile, et pour le moment là, bien mesdames sa yo a pran soin dans l'hôpital général sud dans pays Honduras. Et bien yo déconseillé direction enfance et adolescence, même li déconseillé moun yo pou yo prend
route migratoire irrégulier, ça qui a la cause gros douleur, et bien, non, et bien, psychique, si mon nan, ça lui-même qui a fait vivre yon mauvais la vie, et bien, c'est ça qui arrive là, côté haïtien, nous y a couru pour misère, couru pour grand goût, couru pour insécurité dans le pays, et bien, y a tombé sous malfrat, et bien, cal violé, tout ça, c'est irresponsabilité, et bien, moun kap dirige nou yo, bien la vie moun pa vou anye pou yo, yo plus souhait intérêt personnel yo, intérêt proche ou li wè intérêt pays ya. En tout cas, c'est là tout, nous mettons en bout avec série information nou yo. Merci à vous-même qui t'ai prêté nou attention avec fidélité yo. Nous casse rendez-vous très prochainement pour l'autre série information vraiment intéressant et n'a invité yo. Abonnez à la chaîne là, activez cloche notification comme ça ou pas perdre même yo ta dans série information n'a bien pour porter pour vous.